Montluçon est emblématique de la capacité d'innovation qui caractérise Safran. Je veux saluer le travail des salariés du site de Montluçon. Chaque jour, ils mettent le meilleur de la technologie au service de nos armées et de notre excellence industrielle. Je tenais à venir ici à Montluçon parce que c'est un site historique et plein d'avenir. Dans l'atelier où nous sommes, seront également bientôt fabriqués les drones tactiques de l'armée de terre, les drones patrouilleurs. Investir pour innover, investir pour être les meilleurs dans la technologie, investir pour l'excellence. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi former. C'est ce que vous avez fait ici, et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte avec cette école interne Cap Excellence. Cette réussite, car elle est incontestable, vous la devez à votre ténacité qui vous a fait justement vaincre un certain nombre d'obstacles. Vous la devez également à l'excellence de votre savoir-faire que j'ai pu constater et à la perfection de votre technologie. Le président de la République a eu des mots extrêmement forts par rapport aux salariés de notre usine de Montluçon en insistant sur leur sens du devoir, dans la mission que nous avons dans la défense nationale. Et puis il a souligné l'esprit d'équipe qu'il a pu voir, l'esprit de transmission des générations les plus expérimentées par rapport aux jeunes. Et il a eu des mots vraiment très positifs par rapport à Safran Electronics & Defense.